Alors, bienvenue à cette séance plénière pour cette session sur les femmes, la paix et la sécurité. Je suis le docteur Ouédraogo, Émile Ouédraogo. Je suis professeur adjoint de pratique ici au centre. Pour cette session, je vais animer la session en français. Donc, j'invite mes amis anglophones à mettre leurs écouteurs pour les 10 minutes à venir, parce que les deux présentatrices le feront en anglais. Donc, ce sera... Je dirais que ce matin, nous avons parlé de la jeunesse et... Nous avons donc vu qu'il y a des sujets transversaux et nous avons vu que, in fine, la jeunesse pour l'Afrique peut être un atout comme ça peut être un défi. Et j'ai aimé cette conclusion qui était dite par la représentante de la jeunesse à l'Union africaine. Ça peut être un atout et comme ça peut être un défi. Cela dépendra donc du leadership. Le leadership, il nous faut un leadership visionnaire pour faire en sorte que cette jeunesse ne soit pas un défi, mais un atout. Parce que nous savons que les années à venir, cela sera donc un élément qui va, ce sera un enjeu de taille. Donc cet après-midi, nous allons continuer dans la lancée, pas pour parler encore de jeunesse, mais pour parler de femmes, paix et de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que jeunesse déjà, il y a, comme je l'ai dit, il y a des sujets transversaux qui font qu'on ne peut pas parler de jeunesse sans parler de genre. On ne peut pas parler donc de jeunesse sans parler donc de problèmes d'emploi, comme on ne peut pas parler de femmes sans parler de problèmes donc d'emploi. C'est ça qui fait que ces deux thèmes sont liés d'une manière donc intrinsèque. Alors, nous allons donc dire que aujourd'hui plus que jamais, le genre ne peut pas être occulté dans une prise de décision, dans la résolution d'un conflit et dans la gestion de la paix. Aujourd'hui, de plus en plus, cette thématique est d'autant plus pertinente et incontournable que cela se reflète surtout dans les zones de conflit. Vous allez aller voir dans les zones de conflit, de plus en plus, on trouve des femmes, des filles, comme des garçons et des hommes, et qui, effectivement, donc, jouent un rôle important. Et dans les groupes armés non étatiques, vous allez, sur les zones de conflit, trouver des filles et des femmes qui sont non seulement des victimes, mais aussi des actrices donc, de ce conflit. Donc, ça fait que le problème du genre est devenu un problème incontournable quand on parle de conflit, quand on parle donc de paix et de sécurité. Elles sont utilisées souvent dans la logistique. Vous les trouvez, c'est elles qui font la log, la logistique, comme le disent les militaires. Et elles sont utilisées pour la cuisine, elles sont utilisées pour le renseignement, elles sont utilisées pour la liaison. Et encore pire, elles sont utilisées pour autre chose. Elles sont utilisées comme combattantes. Vous vous souvenez donc les suicide bombers là, au Nigeria. Et sont aussi exploités sexuellement, sans oublier donc ces violences sexuelles. Donc, ça fait autant d'éléments qui font que les femmes et les filles subissent beaucoup plus que les hommes et les garçons. Mais n'empêche, quand on parle de genre, on est obligé de prendre en compte tous ces éléments. En dehors des zones de conflit, quand on revient donc et au niveau donc des zones, je veux dire, à l'intérieur du pays, on a encore une sous-représentativité des femmes dans les instances du secteur de la sécurité. Ce n'est que maintenant que la femme, de manière générale, donc, est prise en compte. Donc, la question genre, j'allais dire, est prise en compte dans les questions donc, de représentativité au niveau donc, du secteur de la sécurité. Alors, je sais que des efforts sont faits, beaucoup reste à faire. Il y a des pays où, effectivement, cette question genre a été très bien tranchée, prise en compte. Je prends le cas du Rwanda où il y a plus de, je sais pas, c'est 60% et 50% des femmes qui sont représentées à l'Assemblée. Et on vient de me dire qu'au Niger, 25% des femmes sont représentées aussi bien à l'Assemblée qu'au gouvernement.
ce que donc la dame de Niger m'a dit. Ok, 49 femmes députées, comparé donc à 2015 où il n'y avait que 29. Donc vous voyez que oui. Merci. Donc avec une prise en compte donc de la jeunesse. Donc c'est vraiment un pas en avant et je pense que nous devons donc encourager cela. Et je crois que c'est cela qui amène donc la résolution 1325 du Conseil de la sécurité qui ne fait qu'encourager cela, qui fait en sorte que le genre soit pris en compte et qui vise donc à accroître aussi bien l'inclusion dans les postes de décision tout en faisant donc l'égalité et des sexes et l'autonomisation donc des femmes comme les principes fondamentaux de la réforme du secteur de la sécurité. Donc cela nous ramène donc au secteur de la sécurité et pour cela donc cette séance vise donc à ce que nous ramenons, nous retracissons le sujet donc dans le domaine du secteur de la sécurité en visant donc les objectifs suivants. Nous allons à travers cette séance Femmes, paix et sécurité essayer d'examiner l'impact du genre sur la sécurité en Afrique en insistant sur le fait que cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Je crois que cela a été dit expressément parce qu'on a souvent tendance à dire que donc à penser, à croire que le genre c'est uniquement la femme. Analyser le rôle du genre dans les groupes armés non étatiques en Afrique, évaluer de manière critique les efforts récents visant à améliorer l'intégration du genre dans le secteur de la sécurité en Afrique, et enfin examiner le rôle que doivent jouer les dirigeants du secteur de la sécurité dans l'amélioration de l'intégration de la dimension genre dans le secteur de la sécurité. Donc voilà les quatre objectifs, sinon cinq, que nous allons essayer donc d'atteindre à travers cette session. Et pour le faire, César n'a pas trouvé mieux que de prendre déjà deux brillantes dames, deux grandes expertes de la question, et qui sont d'ailleurs avec nous ici, des facilitatrices, elles sont d'abord des facilitatrices, mais aussi des expertes dans la question que nous allons donc traiter. Je sais que leurs biographies sont dans vos syllabus, mais je m'en voudrais de ne pas revenir sur quelques points saillants donc de leur très riche expérience. Alors, je commence par Dr Martha Mutisi. Dr Martha Mutisi, c'est donc elle que vous voyez là, à ma droite, à ma gauche là-bas, et que vous connaissez très bien. Elle est dans quel groupe de discussion? Groupe One. Voilà, donc tous les témoignages disent qu'elle est... Elle est vibrante et vraiment elle partage très bien son expérience. Donc, je commence par Martha. Martha, donc, elle vient du Zimbabwe, son pays natal, et elle est une universitaire et une praticienne. Elle possède 15 ans d'expérience dans le domaine de la paix, la sécurité, la résolution des conflits, la gouvernance et le développement. Vous voyez donc autant de portfolios qu'elle maîtrise. Et donc, elle le fait depuis plus de 15 ans. Donc, ça veut dire que donc, c'est une mine que nous allons exploiter et, tout de suite. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas une question qu'elle ne pourra pas, à laquelle elle ne pourra pas répondre. Et je dirais donc qu'elle a travaillé donc, à cet effet, donc, avec cette expertise. Elle a travaillé avec l'ONU, avec ONU Femmes, en tant que spécialiste principale du programme sur le genre, la paix et la sécurité. Donc, c'est vraiment son domaine. Elle a travaillé aussi avec Accor. Accor, c'est African Center for Constructive Resolution of Disputes, Accor. Elle a travaillé donc à Accor. Elle a travaillé comme consultante et conseillère à l'Union européenne, je cite, hein, et les Nations unies, l'Union africaine, et la SADC, et IGAD, et le COMESA et la communauté de l'Afrique de l'Est, le CAE, et aussi la force en attente de l'Afrique de l'Est. Donc, vous voyez qu'elle a pratiquement roulé sa bosse dans toutes les institutions en Afrique de l'Est. Elle a une riche expérience donc, de l'Afrique de l'Est et aussi un peu de l'Afrique centrale. Alors, donc, elle est titulaire à cet effet donc, d'un doctorat en analyse et résolution des conflits de l'Université George Mason des États-Unis et d'un master en paix et gouvernance de l'Université d'Afrique et d'un master en sociologie, en anthropologie de l'Université du Zimbabwe. Donc,
Martha, je vous demande donc de lui faire un bain pour tout cela. Alors, la deuxième présentatrice, que j'appelle Madame Ori Traoré, et qui est une dinosaure du César. Une dinosaure du César, ça veut dire que elle est là depuis donc 2010. Et elle accompagne le César dans ses activités, dans plus de 40 activités. Donc, elle est pétrie d'expérience. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est originaire du Mali, Madame Traoré, mais elle est surtout consultante en international senior. Alors, elle a travaillé essentiellement pour CMI, c'est Crisis Management Initiative. Et elle a travaillé pour Marty Ahtisaari Peace Foundation. Et ses principaux domaines de compétences sont les suivants. Elle a aussi fait le maintien de la paix. Je me souviens qu'elle a beaucoup travaillé à la CEDEAO. Elle a travaillé à l'APSA. Elle a travaillé donc avec les forces en attente. Donc, elle est vraiment dotée d'une expérience exceptionnelle. Elle a fait du dialogue et de la médiation, du genre, intégration du genre, engagement de la jeunesse ce matin, donc elle a aussi une expertise de ce qui a été dit ce matin. Conseil stratégique sur la politique et l'architecture de la RSS, coopération avec la société civile, les OSC, droits humains, code de conduite, alerte précoce, elle a aussi travaillé avec donc ONEP, prévention des conflits, conciliation de la paix, transition post-conflit, donc autant de portfolios, et je ne peux pas citer parce qu'il y en a trop. En outre, donc, Madame Traoré a travaillé avec l'Union africaine, comme Martha, a travaillé avec la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, elle a travaillé avec l'Union européenne, elle a travaillé avec les Nations unies, elle a travaillé avec les institutions de formation et de coopération de soutien à la paix, les OSP, elle a travaillé encore avec Accor, comme Martha, comme si elles se connaissent depuis longtemps, et elles se suivent comme des jumelles. Je crois, ils ont travaillé ensemble à un moment donné. Donc, on voit donc ces deux complices et se retrouvent encore ici donc, pour nous aider donc, à décortiquer ce sujet. Alors, Madame Traoré donc, est actuellement présidente du conseil d'administration de Greenpeace Afrique et administratrice de Greenpeace International. Elle est titulaire donc, d'une maîtrise en développement international durable. DID de la Heller School of Social Policy de l'Université de Brandeis et aux États-Unis et d'une deuxième maîtrise en droit humain et démocratisation de l'Université européenne interdisciplinaire basée à Venise. Donc, vous voyez, donc, je n'ai pas menti, vous serez bien servi. Et donc, sur ce, je vais d'abord demander à Martha de me donner d'abord un round of applause pour Madame Traoré. C'est tellement timide de donner encore un round of applause pour les deux femmes, s'il vous plaît. OK, merci. Donc, je vais demander à Martha donc, d'ouvrir donc, cette séance. Donc, en répondant aux questions suivantes, nous voulons donc être sûr que nous allons couvrir tous les objectifs que nous avons cités. Donc, docteur Martha, nous allons vous demander donc avec des exemples spécifiques, illustrer l'impact positif de l'inclusion des femmes dans le processus de paix et de sécurité, et aussi l'impact négatif. Je sais que vous avez donc cette expertise. Aussi, on va vous demander de prendre en compte la question genre, un aspect qui est parfois négligé dans la sécurité. Et aussi nous citer l'éventail des rôles que les femmes et les filles, ainsi que les hommes et les garçons, jouent dans les groupes armés non étatiques en Afrique. Et pourriez-vous nous parler de l'importance de comprendre cette question à travers donc, une vision, une lentille donc, du genre, y compris les implications politiques sur la façon dont les leaders du secteur de la sécurité devraient aborder les conflits et la violence. Et enfin, j'allais donc nous partager donc votre point de vue sur les obstacles, les barrières auxquelles donc sont confrontées
donc les décideurs aussi bien pour l'inclusion donc des femmes et du genre donc dans toute la fourniture donc de la sécurité et quelles sont les principales étapes à franchir pour surmonter les obstacles dans ce domaine. Donc Madame et Docteur Martha, sur ce je vous donne donc la parole. Merci. Merci. Docteur Émile, et merci pour cette belle présentation. Alors, bonjour à mes collègues. Donc, en mettant la scène, en établissant la scène, le docteur Émile a établi les buts impératifs pour l'agenda des femmes de la paix et de la sécurité. Et je veux quand même répéter que dès le début, nous avons tous entendu le fait que la nature des conflits est en train d'évoluer en Afrique. Particulièrement, on voit un nombre croissant de conflits intra-États qui sont de plus en plus asymétriques. Et ce genre de conflits ont un énorme impact sur les femmes et les jeunes filles, et les jeunes personnes en général. Comme le docteur Émile l'a déjà dit, souvent, avec ce genre de conflit, les femmes et les jeunes filles sont ciblées par les terroristes et les groupes extrémistes, les groupes armés, qui les enlèvent et les utilisent en tant que kamikazes, en esclaves pour le sexe ou en tant que boucliers humains. Et donc, la prolifération des armes a aussi amplifié la vulnérabilité des femmes liées à cette violence, le viol, le déplacement. Et quand on revient à d'autres contextes où il y a des conflits locaux ou des conflits basés dans les communautés, l'impact principal est aussi sur les femmes et les jeunes filles. Et donc, ceci nous rappelle du fait que quand on parle des processus de paix et de sécurité, on doit être inclusif parce qu'en ce faisant, nous sommes inclusifs et nous avons une approche intentionnelle liée au genre et nous pouvons créer une paix plus durable. Et donc, je vais vous présenter quelques exemples où les femmes ont eu des rôles significatifs et ont été incluses d'une manière significative dans les processus de paix et quel a été l'impact de ces efforts sur l'agenda de paix et de sécurité. Alors, il y a l'étude de cas de la Somalie. Cela a été l'une des études des cas, enfin l'un des exemples les plus qu'on a eu très tôt, où les femmes, à travers leur détermination partagée, ont démontré qu'une paix qui ne les inclut pas sera une paix inégale et qui aura de l'exclusion. Et donc, l'inclusion des femmes dans ces processus de paix et de sécurité, cela remonte jusqu'à 2000. Et en 2000, on parlait des débuts de la discussion autour de la résolution 1325. Et donc, il y avait une conférence à Atta, une ville à Djibouti, où Djibouti accueillait une conférence de paix pour les parties qui se combattaient en Somalie. Donc, ils ont rassemblé 5 clans de la Somalie. Et on voit que dès le début, c'était vraiment un processus élitiste qui était exclusif et qui n'intégrait pas les femmes. Et donc, de ces 5 tribus, il y avait 500 délégués et seulement 100 étaient des femmes, 3000 délégués, désolé, et 500 sans femmes. Alors, on s'est dit, c'est suffisant. Elles se sont dit, on doit relever ce défi de l'exclusion et avoir un rôle à jouer dans ce processus de paix. Donc, ces femmes provenaient de différentes affiliations politiques, de différents clans. Mais elles se sont décidées à dire et elles ont décidé de former leur propre clan de femmes. Et elles ont établi le 6e clan de la Somalie. Donc, elles ont réfléchi d'une manière novatrice. Et donc, les
Il y avait bien sûr les tables informelles et les négociations dans les coulisses. Alors, elles ont décidé que si elles ne faisaient pas partie de cette initiative qui reconnaissait seulement les leaders des clans, on va s'appeler le sixième clan de la Somalie. Et elles provenaient de toutes les parties du pays et elles ont décidé conjointement de casser avec les membres de leur clan et de faire leur lobby en tant que sixième clan. Et pendant ce processus, les médiateurs, les négociateurs les ont officiellement reconnus en tant que clan supplémentaire en Somalie et se sont assurés que pendant ce processus de paix et les discussions associées à ceci, que l'accord de paix qui a été signé donnait un quota de 10% pour les femmes à tous les niveaux du leadership et de la prise de décision en Somalie. Et donc, en fin de compte, le gouvernement de transition de la Somalie a été requis de s'assurer que tous les postes de leadership, qu'au moins 10%, que ce soit au niveau local, dans l'Assemblée nationale ou le cabinet, que 10% étaient composés de femmes. Et donc, ils ont en effet fait quelque chose de tout neuf. Et donc, ce processus de paix, les femmes ont continué à participer en tant que déléguées et en tant qu'observatrices pendant ces processus de paix qui ont été facilités par l'autorité intergouvernementale pour le développement. Et M. Arbi peut nous en parler. Alors, en 2004, les femmes en Somalie ont réussi à avoir un autre quota pour le nombre de femmes dans l'Assemblée nationale. Et maintenant, nous en sommes à 25%. Donc, ce chiffre a augmenté. Ça a commencé il y a 22 ans. Et ça, c'est le changement historique accompli par les femmes de la Somalie. Donc, pendant la même période au Burundi, pendant les négociations de paix à Arusha, qui ont été menées par l'ancien président de la Tanzanie, qui a dû écouter les femmes qui provenaient de tous les secteurs de la société civile, des partis politiques et des femmes qui faisaient partie des groupes armés. Il y avait énormément de groupes armés qui négociaient pendant ce processus de paix au Burundi. Et ce que ces femmes ont décidé de faire, c'est de mettre de côté leurs différents politiques, leurs différents idéologiques. Et elles ont établi ce qu'on appelait la conférence des femmes de tout le Burundi. Cet effort a été appuyé par des groupes tels que le groupe des femmes de l'ONU, ACOR, le Centre pour la résolution des disputes africaines et bien sûr l'Union africaine. Et donc, à partir de ce processus qui a été transitionné à Nelson Mandela, sous le leadership de M. Mandela, ce besoin de reconnaître et d'inclure les femmes d'une manière significative, non seulement en tant qu'observatrices, mais en tant que personnes à part entière, qui avait quelque chose à contribuer au processus de paix. Donc, cette conférence des femmes du Burundi, cette conférence de paix, ont décidé d'avoir leur propre négociation en dehors des négociations formelles. Et elles allaient écrire leur propre rapport sur des thématiques variées. Alors, ce qu'ils ont requis de l'équipe des médiateurs, aussi bien que l'équipe des négociateurs, les représentants officiels, toutes les lois qui étaient discriminatoires contre les femmes devaient être étudiées. Elles ont fait appel à des mesures spéciales pour le renforcement de la sécurité des femmes et contre les violences sexuelles contre les femmes. Et puis, au Burundi, l'avenir pour les femmes, de quelle face sera-t-elle? Quand l'accord de paix a été signé, elles ont dit qu'il faut inclure dans cela que les femmes doivent avoir accès à l'éducation. Et puis, après l'accord, grâce à cette intervention par la conférence de paix des femmes de Burundi, il y avait des provisions pour l'éducation gratuite et obligatoire pour les filles, et puis un système de quotas au rang des leaders. Une autre étude de cas est celui du Kenya. Lors
des violences de 2007-2008, la période post-conflit. Il y avait des panélistes qui avaient été déployés quand le Kenya brûlait à cause des violences. Alors, il y avait des troupes en place envoyées par l'Union africaine, soutenues par la communauté économique de l'Est, l'IGAD. Mais je pense que ce qui était vraiment saillant, c'était l'approche et de l'Union africaine et des CER. C'est que ce que l'Union africaine a fait, c'est d'envoyer trois personnalités éminentes, le président Jakaya Kikwete. Ensuite, il y avait Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, et puis ensuite, Madame Crochat-Échelle. Alors, vous voyez qu'avec intention, ils ont inclus une femme comme médiatrice. C'était la première fois qu'un médiateur soit une femme dans un processus formel de la paix. Si on se rapporte au processus de médiateur en Afrique, la plupart des médiateurs, c'était des hommes. Mais pour le Kenya, l'Union africaine devait bien démontrer un changement, et cela a eu apporté ses fruits, non seulement au niveau symbolique, mais à un niveau plus significatif. Ce qu'ont fait les trois médiateurs, c'était d'organiser des pourparlers en parallèle, des débats sous-débats, autrement dit, menée par Riala Odinga et le feu président Bakim. C'était donc des représentants des deux partis politiques qui avaient été en conflit. En dehors des pourparlers formels, ils ont inclus des membres de la société civile, des femmes qui avaient été déplacées, des femmes universitaires, des femmes dans le secteur privé, pour que la voix des femmes et leurs perspectives seraient incluses, à savoir quels devaient être les thèmes pour ce dialogue, pour ce processus de dialogue national. Ça s'appelait le dialogue national sur la réconciliation du Kenya. Ces efforts ont porté bon fruit parce que les problématiques de la sécurité sont allées aux besoins des besoins qui avaient été exprimés par les leaders politiques. Bien sûr, un point significatif, c'était les disputes concernant les résultats électoraux et des processus. Mais au-delà de cela, ils ont commencé à réaliser qu'il y avait d'autres problématiques sous-jacentes, des problèmes d'utilisation excessive de forces provenant des forces armées, la polarisation dans la société entre genres, le manque de cohésion dans le pays qui, avec le temps, avait été instrumentalisé par la police au Kenya. Il y avait aussi la question à savoir si le gouvernement centralisé travailler vraiment pour le Kenya en dehors du processus de médiation tel que la société civile, inclure les leaders religieux, le secteur privé. Et sans cela, ces thèmes n'auraient pas été soulevés. Les femmes donc ont créé une coalition connue comme étant le groupe de consultation des femmes qui a été établi pour s'engager avec l'équipe de médiation. Ces femmes ont vraiment exhorté aux médiateurs de résoudre la crise humanitaire, de combattre des violences contre les femmes et contre le genre, et de résoudre les iniquités concernant la distribution des terres, aussi que les parties en conflit aille au-delà de la politique, à savoir comment créer un modèle de gouvernance qui fonctionnerait bien pour le Kenya, pour comprendre un système de gouvernement décentralisé. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui au Kenya, c'est un système de gouvernance dévolué. Donc, les localités contrôlent leurs propres ressources et cela a aussi résulté dans la participation des femmes
au-delà des politiques et voir quels étaient les autres problèmes sous-jacents au conflit. Penchons-nous maintenant sur Soudan Sud. En Soudan du Sud, à part les chiffres que nous entendons vis-à-vis le conflit, les femmes en Soudan du Sud ont soutenu les négociateurs, les médiateurs, les communautés à réaliser que le conflit allait porter du mal aux femmes du pays. Les femmes du Soudan du Sud, telles que les femmes de la Somalie, de Burundi et du Kenya, elles ont décidé de laisser tomber leurs différences politiques et elles ont créé la coalition des femmes du Soudan du Sud. Cette coalition était faite de parties prenantes provenant de la société civile, des médias, des partis politiques et des jeunes femmes, aussi bien que leurs contreparts, leurs hommes plus âgés, les aînés. On a engagé aussi les femmes du Soudan du Sud qui m'ont dit leur récit de créativité et comment elles ont fait pour laisser tomber leurs différences. Parfois, il y avait des médiations, tout sachant aux médiations, il y avait plusieurs séances, plusieurs processus de médiation pour qu'elles puissent enfin finalement parler avec une seule voix. Les organisations telles que Accord et d'autres organisations de société civile ont soutenu les femmes, ont appuyé les femmes pour trouver un programme unifié pour le processus de médiation. Ensuite, on a donné cette plateforme aux femmes de participer dans des forums différents du processus de médiation, des groupes de travail thématiques, par exemple, des groupes de travail à haut niveau. Elles ont offert des propositions. Des points sensibles dans le processus de la paix. Par exemple, en Soudan du Sud, l'accord pour la résolution des conflits en Soudan du Sud, aussi bien que les accords révisés subséquents qui ont été signés en 2015 et 2017, les deux accords ont des provisions qui répondent aux besoins de sensibilisation des genres avec des provisions de sensibilisation de genre. Les femmes voulaient s'assurer, elles ont travaillé ensemble étroitement avec les jeunes au Soudan du Sud. Ce que nous avons appris de la part de ces exemples, c'est l'inclusion des femmes dans le processus de la paix porte de bons fruits. Donc, en tant que résultat, l'inclusion des femmes en Soudan du Sud, elles ont requis la redevabilité, la responsabilité pour la fin de la violence basée sur le genre, les violences contre les femmes, surtout au sein du processus de paix au Soudan. C'est d'avoir un tribunal hybride qui est devenu un des instruments clés pour assurer la responsabilité, la redevabilité en ce qui concerne la justice en Soudan du Sud. Et donc, les parties en conflit ont signé cet accord, ont été d'accord avec ce tribunal hybride qui allait adresser les crimes sexuels. Et ça, c'est un témoignage pour démontrer ce qui peut advenir si on inclut les femmes dans les prises de décision autour de la table. Je vais rapidement aborder aussi quelles ont été des politiques institutionnelles qui ont permis aux femmes d'avoir des espaces pour s'exprimer. Et je ne veux pas oublier, bien sûr, l'adoption de la résolution 1825. Mais au niveau de l'Union africaine, on peut aussi voir que l'organisme continental fait beaucoup de travail avec son programme de 2063. Je peux vous parler de l'article 6 de 2063 qui parle de la paix qui est nécessaire pour réaliser l'Afrique que nous recherchons tous. Le protocole Maputo qui a été adopté en 2003, ainsi que la déclaration de l'adoption de la protection de genre.
Et le réseau continental des femmes dans la prévention des conflits, ceci sont des façons d'institutionnaliser l'inclusion des femmes dans tous ces processus, que ce ne soit pas des participations aléatoires, ad hoc, mais que ce soit des lignes directrices où il faut absolument engager les femmes lors de ces négociations, en tant qu'observatrices. Et des défis dont je peux vous parler qui restent en place, il y a encore la profilérisation des questions de genre dans le domaine de la sécurité. Les gens vous donnent des excuses. Nous allons d'abord traiter des problématiques plus importantes et puis le genre, on en parlera plus tard. Mais les gens qui disent cela, que les droits des femmes et des jeunes filles, c'est une arrière-pensée. Dans le processus de la paix. Mais l'idée que vous pouvez avoir un programme de paix, il est important d'intégrer la question de genre dès le départ. Que pouvons-nous faire pour adresser cette question d'intégration de genre? Il faut que les stéréotypes négatifs concernant le genre soient adressé avec une sensibilisation, éducation, faire appel au CER et l'Union africaine d'avoir des lignes directrices qui rendent impératives et obligatoires des processus de médiation pour avoir des systèmes de quotas, savoir combien de femmes doivent participer pour représenter les parties en conflit, inclure des observatrices. Il y a aussi une participation trop limitée des femmes dans ces processus de paix. Seulement 13% des femmes sont des négociatrices et médiatrices. Et ça, c'est à travers le monde. Et 70% des processus de paix qui ont été signés depuis l'an 2000, parmi ceux-là, seulement 30% ont inclus spécifiques mentions pour des prévisions sur le genre. Lorsqu'on se penche sur l'Union africaine actuellement, corrigez-moi si vous voulez, il n'y a que six femmes, Madame Diop Ndiaye, l'honorable Ellen Johnson Sirleaf, Madame Gozi, l'envoyée spéciale pour le COVID, et Madame Matamba, seulement 6 sur 31 personnes sont des femmes. Alors, avec ces objectifs, nous devons rechercher des médiatrices au niveau national, au niveau régional. Je sais que Zimbabwe déjà se penche. Entame cela, les femmes restent sous-représentées dans le secteur de la sécurité. La plupart des acteurs de sécurité sont déployés dans des lieux de conflit, mais les femmes sont sous-représentées. Ça devient donc un défi pour les missions de maintien de la paix parce qu'ils sont dans des pays qui déploient que des hommes dans leur mission de maintien de la paix. Que faut-il faire? Il faut revitaliser nos stratégies de recrutement, nos politiques de retention dans le secteur de la sécurité pour encourager les femmes à être considérées en Afrique du Sud. Les forces de défense de l'Afrique du Sud nous ont assuré que cela est possible. Les forces de défense de l'Afrique du Sud, après l'apartheid, il y avait 6% qui étaient des femmes et maintenant 51%. Donc, il est tout à fait possible d'avoir des femmes dans les forces armées. Une fois que les femmes fassent partie des forces de défense, on a besoin d'avoir des réformes du secteur de la sécurité continue, des programmes de renforcement de capacité. Il faut aussi adresser les disparités entre genres. Il faut promouvoir la surveillance et l'évaluation de ces initiatives. Heureusement, nous avons un encadrement de l'Union africaine qui, euh,
qui s'y penchent, cela peut être popularisé au niveau régional en ce qui concerne les quotas. Il faut faire cela avec des normes bien clairement mises en place parce que l'inégalité des genres est à la base de ce fléau, de cette culture patriarcale d'exclusion. Il faut régler ça à travers la sensibilisation, l'éducation et d'assurer que les normes soient bien mises en place. Il est important que les processus de paix inclusive doivent non seulement mener à l'absence de guerre, mais à la justice pour les nations. Il faut faire face aux relations d'inégalité entre genres. Si le monde devient plus inclusif, nous allons voir un monde plus en paix. Merci. Merci, Martha, donc, de pouvoir rassembler tout cela si bien et bien articulé. Vous avez partagé l'expérience donc, de toutes ces femmes qui se sont battues. Et ça fait beaucoup plaisir d'entendre ça, ces femmes qui se sont battues pour imposer. Et ça, en quoi ça montre que c'est la lutte paix. Les femmes de la Somalie qui ont créé un sixième clan pour pouvoir imposer un agenda. Ça fait beaucoup plaisir. Au Burundi, les femmes qui ont réussi à dépasser leur clivage politique pour penser que paix et sécurité. Ainsi qu'au Kenya, où nous avons où elle a parlé donc de groupes consultatifs des femmes qui ont vraiment beaucoup impacté sur la résolution du conflit post-électoral. Et au Soudan du Sud, où vraiment la coalition des femmes du Soudan du Sud a mené un agenda qui a vraiment fait la promotion donc, du genre. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de défis. La participation limitée des femmes dans le processus de paix, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore quelques normes restrictives du genre et surtout le faible taux de participation des femmes dans les opérations de maintien de paix. Je pense que les militaires pourront nous expliquer pourquoi ils ne veulent pas que les femmes participent aux opérations de soutien de la paix. Peut-être que de toute façon, vous aurez le temps donc, de nous expliquer pourquoi. Et enfin, donc, il faut qu'on continue donc, de promouvoir la question genre, parce que ce n'est qu'un combat, un combat qui continue et qui ne fait que commencer. Donc, sur ce, je vais donc inviter la deuxième panéliste, Madame Traoré, et qui va revenir très succinctement sur pourquoi les acteurs du secteur de la sécurité en Afrique devraient-ils s'intéresser à l'intégration de la dimension genre. Ça revient encore aux questions donc, que Martha vient d'expliquer. Existe-t-il des exemples spécifiques de processus de paix et de sécurité africains qui démontrent ce point? Et aussi, quelle est la place des hommes et des garçons, si vous voulez, le genre, ainsi que les hommes et les filles, dans l'analyse sexo-spécifique des menaces, des défis et des réponses en matière donc, de sécurité? Alors, donc, je crois que le temps qu'il nous reste, il faut qu'on puisse donner beaucoup de temps aux questions. Comme cela a été d'ailleurs bien demandé, je pense que Madame Traoré, dans 20 minutes, pourra nous planter ce décor. Merci à vous, Madame. Merci beaucoup, Émile, et merci, Martha, pour cette belle présentation. Et je voyais dans mon champ de trucs des gens qui ont ronflé tout le temps là. Et j'étais prêt à les attaquer là quand j'allais commencer. Hein. Et donc, c'était mieux que je fasse ma présentation en français. Le problème est que mon français est rouillé parce que je suis une bambaraphone et donc je ne maîtrise pas bien le français. Et si je le fais en français, je vais commencer à dire et puis ce sera le franglais. Donc, je vais le faire en anglais et puis vous pouvez poser vos questions en français. Et il y a une chose, ok, so I'm going to English now. Alors maintenant, je me tourne à l'anglais. Merci, Marty, de votre présentation brillante et de vos exemples qui démontrent clairement que, franchement, les choses bougent à beaucoup de niveaux, que les femmes démontrent bien de la résilience malgré tous les défis qui les confrontent. Alors, ma présentation va peut-être vous choquer un peu, parce que lorsqu'on parle de genre, tout le monde n'est pas au même niveau. Et souvent, là où on trouve de la résistance, c'est
c'est que ce qu'on dit va au-delà des connaissances des gens. Ils ne peuvent pas comprendre et saisir la problématique. Alors, il faut être un petit peu dans les enfants, dans un espace pareil, il faut s'ouvrir, il faut être un petit peu, nous alléger un petit peu. Je vais maintenant passer à ma présentation, j'espère qu'elle marche, mais il faut approcher les choses d'une façon un petit peu moins sérieuse pour que tout le monde puisse bien saisir et capter la problématique. Comme il y a un monsieur dans notre groupe qui est très méticuleux, qui aime beaucoup la cotation, donc je vais demander à Fall de lire le premier quote là. Fall, rapidement. Il faut que vous participez. Il est souhaité que le technicien enlève le. D'accord. OK. Donc, Frank, you read this. Hein? Yeah, read the first quote. Lisez la première citation, s'il vous plaît. Je veux être sûr que les gens participent. Les graines du succès dans chaque nation sur la terre sont les mieux plantées dans les femmes et les enfants. Et c'est l'ancien président du Malawi qui a dit ces paroles. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Les noyaux de succès de chaque pays sur la terre sont les mieux plantés dans les femmes et les enfants. De Matai et Matai Wagare qui est... Que se passe-t-il ici? On y arrivera. Elle dit, c'est les petites choses que font les citoyens. C'est ça qui va faire toute la différence. Et ça, en tant que leader, est-ce que vous comprenez cela? Si on est là tous ensemble, c'est pour voir. Quelle est la différence que vous pouvez faire à votre niveau pour faire évoluer les choses? Nous avons tous la capacité de faire, d'engendrer cette différence. Je dois continuer. Nous avons aussi le secrétaire directeur de l'ONU qui a dit les femmes... sont la moitié de chaque communauté et donc pourquoi ne serait-elle pas la moitié de chaque solution? Comment pouvons-nous en bonne conscience faire venir les seigneurs de guerre à la table de paix et pas les femmes? Comment faire cela si on se penche sur la région de la CEDEAO? C'est la CEDEAO du peuple, mais si vous regardez la majorité des gens, ce sont les femmes et la jeunesse, 75%. Alors, si on parle de la sécurité, on parle de la sécurité de qui? C'est la majorité de la population et la majorité, ce sont les femmes et les jeunes, et c'est eux. C'est les femmes et les jeunes qui sont la majorité impactées de façon négative par les conflits. Il faut donc amplifier la voix des femmes et des jeunes et ils doivent tous faire partie de ce processus, ils doivent tous être intégrés dans ce processus. Si on veut impacter ce processus de la sécurité pour la paix, déballons un moment le concept de la sécurité. Nous avons vu depuis lundi que la sécurité est un thème holistique, ce n'est pas que vous en uniforme. Mais on a adressé la question de l'état de droit, la question de la jeunesse. Nous avons parlé de la gouvernance, de la sécurité maritime, etc. Alors, si on se penche sur la problématique de la sécurité de façon holistique, il est important pour vous d'adresser ça de façon holistique. Vous ne pouvez pas dire que les femmes n'ont pas les compétences, la sécurité est un domaine holistique, donc tout le monde doit y être inclus. Alors maintenant, lorsqu'on parle de la problématique du genre, ça fait peur parce que, oh là là, tout à coup, c'est comme si vous aviez un fardeau sur la tête et quelqu'un vous dise, bah, écoutez, à votre niveau, en tant que leader,
assurez-vous que les femmes soient intégrées. Ça fait peur à certains leaders parce que vous essayez de faire ça tout seul. Mais penchons-nous un moment, combien de femmes sont dans nos forces sécuritaires, sont à des niveaux de prise décideuse. Les femmes, souvent, ne sont pas dans des positions de terre, même au Maroc, lors de nos programmes du César. Nous avons vu, ils ont dit, ah, nous avons des femmes dans la force aérienne. La plupart des femmes qui étaient présentes, du moins celles à qui j'ai parlé, elles avaient le moins de responsabilités. Alors, combien de femmes chez les militaires sont dans des positions de dirigeants, dans les renseignements, dans les forces armées, etc. Alors maintenant, voici une image, une photo de leaders mondiaux en 2000. Et combien de femmes sont là? Difficile de les trouver, n'est-ce pas? Oui. Alors voilà, c'est au niveau mondial. Pensez-vous que cette photo aura changé au fil du temps? À part toutes les politiques, les cadres juridiques, pensez-vous que cette image a beaucoup changé depuis? Maintenant, regardons à le niveau régional. Voilà le niveau régional et le niveau communautaire. Ça, c'est au Soudan. Mais la réalité est que les conflits, les batailles sont faites sur les corps des femmes. Et bien sûr, elles sont là qu'en tant que symbole. Voilà une femme qui a reçu le prix Nobel, telle femme est chef de je ne sais quelle organisation internationale. Mais ce ne sont pas les femmes qui sont laissées de côté. On peut se plaindre que nous, on est laissés de côté, mais les vraies femmes qui sont laissées de côté, c'est les femmes rurales, de zone rurale qui travaillent jour et nuit. Et mon frère, là, au premier rang, si vous vous endormez, attention, on ne s'endort pas ici. Et Joël, qui se tient la tête. Alors voilà, les femmes dont on parle, qui ne sont pas instruites, qui ont des enfants, qui n'ont pas les ressources dont elles ont besoin pour prendre soin de leur communauté, de leur famille. Alors quand on parle de problèmes sécuritaires, c'est des femmes qui sont exposées quand les conflits commencent dans les zones rurales. Par exemple, au Mali, quand vous vous retrouvez dans ces communautés, c'est les femmes qui sont attaquées, qui sont violées. Et je travaille actuellement sur le bassin du lac Tchad. Et vous voyez, c'est les personnes qui sont attaquées toutes les semaines, tous les soirs. Ce sont elles qui sont laissées de côté. Alors, on a beaucoup de travail à faire en Afrique. Et quel que soit votre niveau d'instruction, votre niveau d'éducation que vous soyez du sud global ou pas, vous êtes éduqué, vous pouvez travailler si vous voulez. Vous travaillez dans votre travail formel et voilà ce qui vous attend à la maison. Vous avez toutes ces tâches à accomplir après que vous rentrez du travail. Alors, cela empêche beaucoup de femmes, en fait, d'avancer. Quand on regarde l'Afrique, et il est très important de comprendre notre histoire. Quand on parle de la problématique du genre, les gens vont souvent vous accuser d'être occidentalisé, d'intégrer de nouveaux concepts. L'Afrique, que je ne le sache, est une société qui a eu des sociétés matrilinéales. Jusqu'à aujourd'hui, la culture Ashanti, vous voyez le rôle de la reine mère dans la prise de décision. On ne prend pas des décisions sans elle. Et ça, c'est une tradition. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, qu'on regarde l'Égypte.
ou Madagascar, Dahomey, au Zimbabwe, vous verrez des femmes qui ont lutté dans des guerres. Au Mozambique, les femmes qui proviennent de la culture lusophone, ou francophone, ou arabophone, les femmes se sont battues à travers l'Afrique, elles sont là. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'elles ne s'intègrent pas, elles n'ont pas de place dans l'appareil de la sécurité, parce qu'elles nous ont déjà montré comment cela se fait et on doit l'exiger. Alors, pourquoi s'occuper de l'intégration des femmes? C'est important. Pourquoi? D'une manière quantitative, je vous ai parlé des chiffres, mais c'est aussi important d'une manière qualitative. La représentation est importante et les hommes ne peuvent pas exprimer l'expérience des femmes. Alors, un cas. Mon ancien patron de WANEP, ils sont allés à la Sierra Leone et ils essayaient d'aider un programme à s'initier. Donc, il y a eu une mobilisation communautaire. Ils ont demandé à une femme de parler. Quand elle a parlé de son expérience, elle a commencé à pleurer immédiatement et elle s'est enfuie de la salle. Elle n'arrivait pas à parler. Elle leur a dit « Je ne peux pas vous parler parce qu'on l'avait violée. D'essayer de vous parler, ça me fait revivre cette expérience traumatique. » Alors, il y a ce besoin d'autres femmes, de la présence d'autres femmes qui puissent parler à ces femmes. Et donc, cette question de la participation est très importante, surtout dans le climat actuel, où on sait que nos institutions parlent de l'équité, de la justice et de l'inclusion. Et c'est tellement important pour nous de savoir que d'une manière qualitative, les femmes doivent participer. Si on veut que la paix dure, que les processus de paix soient justes et transparents, on doit s'assurer que les femmes sont représentées et qu'elles participent. Et donc, la question de la redevabilité et de la transparence, encore une fois, les femmes doivent être là. C'est une question de droits humains et c'est un impératif moral pour nous tous de s'assurer que la moitié de toutes nos populations participent et que leurs perspectives et leurs expériences sont partagées. Et j'ai entendu cette belle discussion, Martha, quand vous disiez que la sécurité et l'insécurité, on en fait l'expérience différemment. C'est important. Donc, l'autre question posée par Dr. Émile, c'est les menaces sensibles aux gens, les défis et les menaces. Et on doit ne pas oublier que les femmes ne sont pas un groupe monolithique, que nous ne sommes pas homogènes. Comme vous pouvez le voir, une femme a différents niveaux d'éducation qu'une autre femme. Il y en a une qui a des enfants, l'autre pas. On a des caractéristiques physiques. Cette personne est complètement différente d'une personne qui n'a pas eu cette éducation, qui est divorcée, etc. Alors, il faut désagréger les données, en fin de compte, pour s'adresser aux besoins de différentes populations. Alors, quand on refait cette analyse, il faut prendre en compte même les besoins de ce petit garçon qui est en guerre, ou ces petites filles qui ont été enlevées pour devenir, qui ont été abusées sexuellement. Voilà une photo du Liberia pendant la guerre. Et les hommes peuvent s'enfuir, mais les femmes, elles, ne restent jamais, elles ne quittent jamais les enfants, jamais. Et donc, il y a un homme, il a son sac sur sa tête, mais il n'y a aucune comparaison, parce que c'est une différente manière de faire les choses. Et c'est important à comprendre. Alors, les enfants soldats, l'analyse est bonne de savoir quels sont les besoins des filles et des garçons qui sont capturés.
Alors, les entraves en cours qui continuent. Et ça, c'est cette optique de la perception. Et ceci définit comment on voit le genre. Et ça peut être des normes culturelles, des normes religieuses, le niveau d'éducation, etc. Il faut qu'on en soit conscient. Et pourquoi cette question du genre persiste? C'est parce que des personnes comme vous et moi, même des femmes qui sont dans des positions de pouvoir, nous choisissons de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas entendre. Alors, c'est votre responsabilité en tant que leader en Afrique. Vous devez créer cette différence à votre propre niveau. Et quand les changements arrivent, on a tous dit, on veut tous que les choses changent. Au niveau international, la question du genre est acceptée. On la comprend maintenant que cette participation est importante. Mais quand on dit on veut changer, personne ne veut en fait changer. J'ai pris le bus aujourd'hui et j'ai entendu des blagues à propos du genre et j'étais prête à sauter par la fenêtre. Et vous, en tant que leader, ce sont des principes de leadership que je veux partager avec vous. Vous devez porter, utiliser cette optique qui regarde, qui voit les femmes et les hommes. Comment s'adresser à leurs besoins, les jeunes filles, les jeunes garçons, le courage. Vous ne pouvez rien faire sans ce courage. Une personne avec du courage est une majorité. Regardez Mandela, Winnie Mandela, tous ces leaders. Thomas Sagra, d'autres, des personnes qui ont du courage. Il faut le démontrer à votre niveau. Vous devez autonomiser les autres. Vous ne perdez rien en faisant ceci, en aidant les autres et en les aidant à s'autonomiser. La vision, on ne peut saisir quelque chose qu'on ne voit pas. Si vous ne pouvez pas l'imaginer dans votre tête, vous n'avez pas pouvoir le réaliser. Alors, si vous voyez un monde qui est égal, qui est équilibré, qui a l'équité, il faut l'imaginer dans votre esprit pour qu'il se réalise. Et donc, pour avancer, nous mettons nos besoins au-devant des autres. Et alors, pour vous, en tant que leader transformatif, vous devez servir votre peuple et ça veut dire que vous mettez les besoins de votre peuple avant les vôtres. Et en tant que leader, encore une fois, vous devez, pour continuer à être un leader, à diriger, vous devez continuer à apprendre. Parce qu'en Afrique, c'est un problème parce qu'on a l'impression qu'on est trop important pour apprendre. Pour être dans un atelier et apprendre. Et si vous n'apprenez pas, vous ne pourrez pas changer les choses. Et bien sûr, il y a un besoin de coordination, de communication et d'intégration. J'ai loupé une diapositive, mais l'égalité est déjà comprise dans les politiques et les constitution. Toutes les constitutions de l'Afrique vont vous parler de l'égalité, etc. Mais la réalité, c'est que ceci est dans vos mains. L'équité, c'est l'opportunité de faire avancer quelqu'un. Alors, j'aime beaucoup cette diapositive. Chacun serait traité avec équité. Vous ferez tous le même test. Vous allez monter sur l'arbre. Enfin, alors, la réalité, c'est que les hommes et les femmes sont différents. C'est une pomme ou une banane. Ils ont tous les deux des vitamines, mais est-ce que ça veut dire que l'un est meilleur que l'autre? Non, mais chaque personne a quelque chose à contribuer. Si vous demandez à un poisson de grimper à l'arbre, vous ne saurez pas à quel point il peut bien nager. Si vous demandez au singe de nager, vous avez loupé le fait que le singe sait bien grimper. Alors, il faut donner l'opportunité aux personnes qui travaillent sous vos ordres de démontrer leur capacité. Alors, au Libéria, ils essayaient de réformer les forces armées. Ils ont dû inclure beaucoup de femmes et les former.
La même chose s'est passée à la Sierra Leone. Les personnes ne sont peut-être pas qualifiées au début, mais il faut leur donner l'opportunité d'apprendre et de rattraper les autres. Donc, j'en arrive à la fin. Alors, voilà une photo du Liberia. Voilà ce groupe de femmes. Ce ne sont pas des femmes élitistes avec des talons hauts. Elles sont restées assises dehors, sous la pluie, pendant des semaines. Elles ont dormi là pour arrêter la guerre. C'est elles qui ont poussé pour les négociations, pour la fin de la guerre. Elles sont allées aux négociations au Ghana et elles sont restées là, quoi qu'il en soit. Alors, quand on parle de ces femmes et de la paix et de la sécurité, ce n'est pas à propos d'une compétition entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une mécompréhension. C'est en fait à propos de travailler ensemble, et de se réunir pour édifier nos sociétés. Et comme Mandela le dit, c'est la tâche d'une génération d'avoir de la grandeur. Et donc, c'est votre tâche à vous. Et donc, vous devez vous transformer vous-même avant de pouvoir transformer vos institutions. Vous devez en fait faire évoluer c'est cela. Vous ne pouvez pas, vous devez travailler sur les problématiques culturelles. Et c'est aussi à propos de changements structurels. Comment est-ce qu'on transforme ces structures? Alors, il faut savoir comprendre sa propre résistance. Exactement. Oui, exactement. Et voici une image africaine qui démontre, voici le genre d'institution qu'il nous faut en Afrique. Il s'agit de votre propre perception. Comment vous changez votre propre perception? Si vous voulez faire comprendre les autres, il faut pouvoir communiquer avec eux pour changer leur perception. Alors, il faut appliquer les 5 P, la participation, la protection des droits de la femme, les politiques. Il faut les changer au niveau personnel et puis les partenariats, surtout en Afrique, pour que cela puisse advenir. Les 4 C, coordination, coopérer, renforcer le consensus et puis communiquer et assurer que le genre soit incliné. Et puis Margaret Mead a dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes engagées, de citoyens, peuvent changer le monde. En fait, c'est la seule chose qui ne soit jamais arrivée. Alors, compte fait, on ne vous apprend rien de nouveau, mais le fait que vous vous retrouvez ici ensemble, voici quelque chose qu'on peut faire. On peut faire le réseautage, faire marcher le puzzle et faire avancer l'Afrique. Merci beaucoup. Acceptez donc la volonté de, populaire qui a voulu donc que la conférence continue. Tant bien même, elle a bouffé 5 minutes. C'est très bien, on va très vite.